Bonjour à tous, c'est Arc et bienvenue dans ce deuxième épisode de Jouons à Digimon World 2003. La dernière fois on s'était arrêté au Digilabo ou un truc du genre, et aujourd'hui on va continuer, donc on va parler à ces charmantes hôtesses Navi Digimon. On t'enseignera ici les techniques Digimon et des éléments de combat et d'éducation Digimon. Donc apparemment c'est une sorte de centre d'entraînement où on nous apprend à jouer. Ici, tu peux en apprendre plus sur la Digivolution. On te donnera des éléments sur la Digivolution Digimon. Mais il est impossible d'apprendre toutes les Digivolutions. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que nos Digimon ne peuvent pas apprendre toutes les Digivolutions qui existent dans le jeu. Il faut choisir, entre guillemets, en fonction déjà de notre équipe et de leurs statistiques. Et aussi des objets qu'on leur donne. Donc voilà, il faut bien choisir, il faut bien prendre connaissance de toutes les Digivolutions qu'on peut avoir. Je veux parler à lui. Docteur Kado Matsu. Je suis le Docteur Kado Matsu, le chef des digi-recherches. Dans ce digilabo, tu peux digivolver et changer des Digimon. Apparemment, on peut aussi changer des Digimon. Je savais pas ça en fait. Ça sera peut-être une bonne occasion pour échanger Monmon, qui est un Digimon que je déteste absolument, comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo. Enfin bref. Et toi, qu'est-ce que tu as à dire? Comment élever mes Digimon? Leurs paramètres varient sur la manière de les élever. Donc pour l'instant, je ne me suis pas encore trop renseigné sur quel Digimon... Merci de rester coincé dans le mur. Je ne suis pas encore trop renseigné sur quelle Digivolution j'avais la possibilité d'avoir, ni celle que j'allais choisir. Donc je regarderai ça dans un épisode plus loin. Et ici, il y a un Agumon caché. Tu ne dois pas seulement entraîner tes digi en te battant, tu devras aussi entraîner au gymnase voisin. Donc ça c'est un élément assez spécial, puisqu'on peut entraîner nos Digimon dans un... comment on appelle ça, dans un fitness, pour augmenter leurs statistiques particulières. Donc ici c'est le in, on peut soit se reposer et regagner donc toute la vie et capacité spéciale de nos Digimon, soit sauvegarder. Donc pour sauvegarder il faut aller parler à cette grosse machine. Guardromon. Je suis l'officier... Non, ok, caps lock. Je suis l'officier sauveteur Quartzmon. Pour un sauvetage, adresse-toi à nous. Accès au lecteur Matrix. Donc il vous permet justement de sauvegarder, même si on va pas trop s'en servir, parce que j'utilise de toute façon les sauvegardes rapides, puisque malheureusement, comme c'est un RPG et un jeu assez long, je peux pas faire des vidéos très longues. Bon, il y a la limite des 15 minutes sur Amazing Geek, ça a été supprimé, mais j'ai pas envie de faire des vidéos de 1 heure, quoi. Je veux m'en tenir une vingtaine, 20-25 minutes maximum par épisode. Prépare-toi à sauvegarder. Wouah, combat, 360, trickshot, cross de map, headshot. Donc on peut choisir la memory card. Il nous propose très gentiment de la formater, même si... techniquement, j'ai pas de memory card installée dans l'émulateur. Mais bon, peut-être que c'est fait par défaut, je sais pas. Donc voilà à quoi ressemble une sauvegarde. Et c'est assez long. Alors, je sais pas pourquoi, mais la sauvegarde dans le jeu est quand même assez longue. Musique de Benny Hill, s'il vous plaît. Je sais que je dis ça, mais que je vais de toute façon avoir la flemme de la rajouter dans le montage. Donc, il n'y aura pas de musique de Benny Hill. Mais voilà, la sauvegarde est extrêmement longue. Excessivement longue. Très longue. Ah, puis en plus, elle s'arrête juste avant la fin, la conne. Ah. Donc, maintenant je mets sur triangle pour revenir en arrière. J'ai pas envie de sauvegarder une deuxième fois, parce que sinon on va devoir attendre le même temps. Et normalement ici, ces Gatomon permettent de nous reposer. Donc. Bon, évidemment, ça coûte de l'argent, comme tout bon RPG. Mais on va pas s'attarder là-dessus, puisque de toute façon on a fait un seul combat et notre vie a automatiquement été régénérée. On va monter là-bas en haut. Il y a une vente d'objets rares quelque part en ville. Mais comment y participer? Alors ça... Ah oui, ça c'est... Je me rappelle plus trop où c'est, mais... je sais que ça existe. Enfin bref. Ça, on pourra y accéder plus tard dans le jeu, c'est un truc assez caché, mais... on peut pas y aller tout de suite au début du jeu, il me semble. Ah, je déteste les contrôles de ce jeu, ça, ils sont assez bizarres. Enfin, c'est surtout que ça se contrôle pas au stick analogique, ça se contrôle uniquement au croix directionnel. Normalement ici, tout est impeccable. J'espère qu'on fera, qu'on fait aussi machin. Ok. Laver, épousseter et je dois nettoyer tout ce qui est sale. Pourquoi je parle comme un robot. Resto Grill. si je me souviens... Ici il y a un cactus qui ressemble fortement à Pampa de... Pampa ou bien Cactuor de Final Fantasy. J'ai toujours trouvé ça assez marrant. Donc je vais prendre cet épisode pour vous montrer un peu la ville et les alentours, hein, parce que c'est un endroit récurrent du jeu. On peut pas trop interagir avec le décor, ça qui est dommage. Au diable mon job, au diable mon chef. Voici le resto grill, tout le monde y vient. Moi, Alexei est encore... Non, Monsieur Alexei est encore inquiet. À mon avis, il passe de drôles... Il s'en passe de drôles dans le monde réel. Ok. J'ai de la difficulté à lire ceci. Est-ce que je reviens dedans ou bien est-ce que je continue depuis là? Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a encore que je dois visiter, que je vous ai pas montré? Ton premier objectif, aller à Seiru City pour vaincre ce chef. Seiru City se trouve à l'est de cette ville. Oui, alors là, je crois que c'est un peu comme... comment dire? Un peu comme Pokémon, il faut aller de ville en ville pour aller battre les chefs des villes, mais je m'en rappelle plus trop parce que c'est bien... L'histoire du jeu est bien plus compliquée que ça, c'est vraiment pas la même chose que Pokémon, c'est on va de ville en ville... Pardon, on va de ville en ville pour battre les champions d'arène, là c'est un truc bien différent, mais je sais que la base du jeu... Ça reprend la même base, c'est-à-dire que c'est ça qu'il faut faire, mais que... Enfin, officiellement, c'est ça qu'il faut faire, mais officieusement, c'est bien un scénario bien plus complexe. L'armurerie est tenue par nous, Gargomon. Kaboum, l'armurerie. Donc ici, on peut acheter des armes et des armures pour nos Digimon, puisque... Contrairement aux Pokémon, les Digimon sont un peu comme des personnages de RPG classiques, c'est-à-dire qu'il y a des armes, des armures, des accessoires, etc., ainsi que... Des statistiques bien plus compliquées que Pokémon, donc c'est un peu votre RPG japonais classique, comme Final Fantasy, Breath of Fire, Dragon Quest, etc. Donc, un peu sur la touche haut, je peux naviguer entre quel Digimon ça peut aller. Donc, les lances, c'est pour Renamon, les gants, c'est pour, je crois, Guimon. Les épées, aucune idée. Les dagues, c'est pour à peu près tout le monde. En fait, c'est ça qui fait marrer, c'est que les Digimon combattent avec des armes, des épées, des dagues, des lances, etc. Alors que dans le dessin animé, dans le manga, c'est comme les Pokémon, quoi. Ils ont pas d'armes appropriées, c'est juste des pouvoirs spéciaux. Enfin bref, c'est... Comme je l'ai dit, c'est plus RPG classique. Donc ils ont des armes, des armures, et ils ont aussi de la magie, des capacités spéciales. J'ai... Pas beaucoup d'argent, j'ai juste 50 bits. Ne riez pas. J'ai juste 50 bits et ça vaut quand même vachement beaucoup d'argent les objets au début du jeu. Je peux aussi en vendre, mais malheureusement j'ai pratiquement rien. Enfin j'ai rien du tout même. Donc on va revenir à ce store plus tard. Peut-être juste voir si je peux acheter une potion ou deux. Bien que ça s'appelle pas des potions, c'est des disquettes dans ce jeu. Alors je crois pas que ce soit lui qui en vende. Ah si, oui. Alors c'est des disques. Enfin, ça s'appelle disque, mais techniquement c'est des disquettes. Alors, il y a des disques qui augmentent la puissance, la défense, etc. Puis il y a des disques qui réaniment ou redonnent de l'énergie. En l'occurrence, ça coûte 12 bits, donc je vais en acheter... Je vais en acheter 3, hein, pour chaque Digimon. Et je vais partir, tout simplement. Ton premier objectif... Ah oui, non, j'ai déjà parlé à celui-là. J'ai déjà parlé au Patamon et à personne en dessous. Patamon, pourquoi ne digivolves-tu pas en Angemon? Désolé, on ne peut digivolver qu'en combat. Ah oui, alors ça c'est un autre truc, c'est... Ouais bon, c'est un truc propre à Digimon, comparé à Pokémon, c'est que les Digimon peuvent revenir au stade plus bas après cette digivolvée, comparé au Pokémon où quand ils évoluent, c'est irréversible. Donc je vais juste retourner dans le in pour aller dans un autre endroit plus bas, parce que dans ce jeu il y a aussi des jeux de cartes et qu'on peut en fait c'est un peu un... Pokémon aussi avait un jeu de cartes mais c'était bien propre à lui, enfin comment dire, c'était un jeu à part entière, parce que là le jeu de cartes est à l'intérieur du jeu, mais d'abord juste aller dans les égouts, aller prendre ce coffre. Et j'ai eu 300 bits. Voilà, c'est juste pour me faire un peu d'argent. Ouais, donc Pokémon, lui, avait son jeu de cartes, mais c'était totalement à part entière du jeu, c'est-à-dire que c'était un autre jeu. Enfin, il y avait il y avait un jeu de cartes Pokémon et il y avait un jeu vidéo de jeu de cartes Pokémon. Donc voilà, on fait un jeu de cartes et on adapte le jeu vidéo. Enfin, on adapte le jeu vidéo qui est adapté du jeu de cartes qui est adapté du jeu vidéo. C'est Inception. On dirait que les gros bonnets de Lawa ont été arrêtés. Je me demande ce qu'ils fabriquaient. Donne une arme à tes Digimon pour augmenter leur puissance. Tous les Digimon n'ont pas les mêmes types d'armes. Oui, alors ça, je l'avais déjà expliqué. Croiseur jaune. Désolé, vous n'arrivez pas trop à lire le texte. Je pense que ça doit être un bug l'émulateur. Enfin bref. Alors. 1. On a un nouveau client. Je vais te donner une sacoche. Tu peux y placer 3 dossiers que tu as créés. Donc pour les cartes, on peut créer des dossiers, mais en fait, c'est des... Comment on appelle ça? Des stacks de cartes? Comment on appelle ça? C'est des decks de cartes, voilà. Dossier, c'est quoi? Ah oui, c'est vrai, notre personnage parle, j'ai oublié ce truc. Un dossier comprend 40 cartes que tu réunis. Tu peux y mettre jusqu'à 4 cartes identiques. Des cartes, mais pourquoi faire? Et là, il est en train de nous prendre pour un gros blaireau. Tu es désespérant. Pour le combat des cartes avec d'autres joueurs, tu dois tirer des cartes, déposer des Digimon et te battre. Regarde, quelqu'un est dans le feu de la bataille. Ça a l'air passionnant. Mais il me semble que le jeu de cartes Digimon à l'intérieur du jeu est bien différent que le jeu de cartes avec les vraies cartes dans la vraie vie. Parce qu'il y avait aussi un jeu de cartes Digimon, mais il me semble qu'il était bien différent que celui-là. C'est la phase de tirage, je prends 6 cartes de mon jeu. Super, j'ai des bonnes cartes. Insérer dialogue très stéréotypé de personnes qui jouent aux cartes. Pas du tout réaliste. Blablabla, ils sont en train de jouer aux cartes, on s'en fout complètement, puisque de toute façon le jeu de cartes, j'ai oublié comment on y jouait et ça nous aide pas du tout. Normalement il y a un tutoriel, la première partie de cartes qu'on lance, mais normalement ça devrait pas être trop dur de m'en souvenir. Je sais que ça a à voir avec si on tire des cartes vertes, ça nous donne des pouvoirs verts, puis pour attaquer il faut avoir tant de pouvoirs verts, etc. Donc puis il y a plusieurs couleurs de cartes différentes. Bon, c'est pas pour dire, mais je m'en fous un peu de leur dialogue. Mais le jeu de cartes est assez dur, j'ai envie de dire, parce que... on n'y passe pas beaucoup de temps, et quand on veut y jouer, c'est... Disons que c'est très... Il faut beaucoup grinder. Qu'est-ce que c'est grinder? C'est passer du temps à faire la même chose, à répétition, juste pour augmenter de niveau. Ouah, merci, j'ai fait de mon mieux, mais je ne sais pas de quoi il parlait. Va voir Ken ou Luke, ils vont te montrer. Plus ton partenaire s'améliore, plus tu peux combattre. Un bon joueur est aussi un bon dresseur. Les dresseurs avec des partenaires forts combattent beaucoup. Ok, merci pour tout, Divermon. Non. Divermon. Bonne chance, à plus. Donc ici, on peut acheter des cartes ainsi que s'entraîner avec les dresseurs. Normalement, j'ai mon stock de cartes. Juste ici. Avec mes dossiers. Ah non, ça c'est la carte du monde, pardon. Ah bah mince. Donc ici vous voyez que vous avez une carte du monde qui est pas complète. Je sais pas si vous voyez les sortes de continents grisés que je suis en train d'entourer avec le curseur de la souris. En fait il y a plusieurs continents ou bien parties du Digimonde. Et là on a accès à la première partie, au premier channel du serveur. Et ça ce sont d'autres channels qu'on peut... accéder en prenant des transporteurs. Et il faut savoir qu'il y a encore un serveur parallèle qui est exactement la même carte sauf avec des joueurs différents. Donc voilà toute la carte du jeu ainsi que le serveur parallèle. Alors maintenant je vais vous montrer mon dossier de cartes qui est celui-là et pas l'autre. Je peux éditer le dossier. Donc normalement j'ai pas beaucoup de... Voilà, ça c'est tous les types de cartes de couleurs que vous avez. Donc blanc. Je crois que c'est les cartes objets ou les cartes sans couleur, enfin c'est les cartes blanches quoi. Vous avez bleu pour les Pokémon, Digimon aquatiques, pardon, je confonds souvent Pokémon Digimon. Bleu pour les aquatiques, vert pour les types plantes, rouge pour les feux, gris pour les darks et brun, je crois que c'est pour les types terre. Mais je suis pas sûr, donc on peut éditer le dossier. Et vous voyez que là c'est toutes les cartes que j'ai à ma disposition. Qui reprennent les modèles 3D de Digimon World, premier du nom, qui sont assez sympas. Donc ici on a des cartes qui s'appellent Appel, Gaburimon, donc quand on le lance, ça met un Digimon, Gaburimon sur le terrain, etc. Et là on a tous les Digimon différents. Faut savoir aussi que plus vous avez Digimon si vous avez par exemple 3 fois Palmon, ça va vous faire digivolver votre Palmon, non, je sais pas quoi, je crois que c'est Cactumon, Cactusmon, ou un truc du genre. Palmon, ou un truc. Non, Palmon, c'est le nom. Enfin bref, voilà. Ça le fait digivolver et puis ça le rend plus puissant. Donc c'est bien d'avoir des combos. Pardon, je t'en appuie sur mes boutons. C'est bien d'avoir des combos pour faire des... Ouais, je vais vous présenter le reste du menu aussi. Pour faire des attaques plus puissantes. Ce qui me fait rire, c'est que le menu, quand vous appuyez sur Start, vous avez accès au menu. Mais en fait, pour accéder au vrai menu, il faut obligatoirement à chaque fois charger le... Pour arriver dans un autre endroit. Qui en fait là, quand vous avez de nouveau accès à tout le menu, mais vous n'avez pas l'arrière-plan où on voit où vous êtes. Donc ici il y a les objets, c'est simple, c'est classé en catégorie objets, armes, armures, accessoires, objets clés. Comme tous les bons RPG, on peut trier les objets, enfin trier les Digimon, pardon. Donc ici vous avez l'ordre, donc je vais mettre Agumon en premier, ensuite Renamon et Monmon. On va le laisser tout en retrait parce que je l'aime pas. Donc vous avez la carte, les techniques différentes que les Digimon peuvent apprendre. Donc ici en l'occurrence personne n'a encore de technique. Et le statut de vos Digimon pour dire il a tant d'attaques, tant de résistance au feu, tant de résistance à ceci, tant de trucs à cela, etc. Et on peut équiper toutes sortes d'équipements. Et il faut savoir que chaque Digimon est limité à 3 Digivolutions. On peut effacer des Digivolutions puis en remplacer par d'autres. Mais si vous en effacez, il faudra tout refaire pour l'avoir. Donc si par exemple je suis rendu à Black Wargamon puis que je l'efface, il faudra que je refasse tout ce que j'ai dû faire avant pour réavoir Black Wargamon. Et il y a des digivolutions qu'on peut pas réavoir. Donc on va aller ici pour terminer, je pense. À l'Eldorado. De toute façon on peut pas accéder, je crois. Voici Eldorado, l'île des fétichistes. Tu n'es pas membre, n'est-ce pas? Tes Digimon n'ont pas l'air sympa, tu ne peux pas être membre. Voilà, donc on peut pas encore accéder à l'Eldorado, ce sera que plus tard, mais franchement je me rappelle plus du tout de l'utilité de cet endroit. Donc ici il y a un Guimon, nos dégâts sont les mêmes après le combat, mais ça ira mieux si tu utilises une capsule ou dors dans une auberge. Dans un auberge, lol. Sinon, ici on peut rien faire. Nous sommes là pour devenir des Digimon. Dans ce monde, il y a un moyen de devenir Digimon. Le connais-tu? Ah bah je savais pas qu'on pouvait être souvent Digimon. J'aimerais être un Digimon au moins une fois dans ma vie. Hoyo hoyo hoyo. Et ici c'est l'endroit où on peut aller faire les ventes aux enchères. Dans la tour cargo, mais malheureusement on n'a pas encore accès parce qu'il faut faire un truc. Ou bien alors c'est moi qui m'en souviens plus. Non, on n'a pas encore accès. On peut y revenir plus tard, mais on peut pas y aller tout de suite. Donc voilà. On a fait le tour de la ville. Et je pense faire cet épisode qui dure 25 minutes. Histoire de pouvoir vous montrer un peu l'extérieur de la ville. Pour pas que ça soit trop... Enfin, pour pas que l'épisode soit exclusivement à l'intérieur de la ville. Voilà, je vais réussir à parler correctement. Si j'essaie de parler trop vite, après... je m'en mêle les pinceaux quand je parle. Et ça devient pas très compréhensible. Normalement, il y a encore cet endroit-là que j'ai pas encore accédé. Magasin Smith. Ah bah non, en fait c'est deux portes qui mènent au même endroit, donc ok. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Donc on va maintenant pouvoir sortir de Asuka City pour se rendre dans la première partie du jeu. Donc ici à gauche, à droite pardon. Il y a des endroits où on se dit, purée mais à quoi ça sert d'avoir fait ça alors que ça nous mène à rien. En fait c'est parce qu'on peut débloquer divers moyens de transport ainsi que divers objets qui nous permettent de voyager entre les canaux du jeu, justement, bien arriver dans des endroits spéciaux, genre juste pour un coffre ou bien juste pour l'expérience, etc. Et justement, on débloque ces trucs qu'à partir d'un certain moment du jeu, et voilà. Donc ici, c'est... comment ça s'appelle? J'essaie de retrouver le nom. Le fitness, avec Léomon. Voici le gymnase. Bon, ils appellent ça le gymnase, moi j'appelle ça le fitness. Veux-tu t'entraîner? Donc ici, on peut augmenter plusieurs compétences de Digimon, mais en fait, j'ai jamais compris si les compétences s'augmentaient aléatoirement ou bien s'il fallait appuyer sur le bouton croix d'une façon dans le bon rythme pour que ça fasse quelque chose. Donc, bah voilà, je vais essayer. Alors, on va augmenter. On va augmenter la défense. Donc on a le choix de faire d'utiliser... Ah oui alors, voilà, je peux pas encore utiliser le gymnase parce qu'en fait il faut des points d'expérience qu'on obtient à la fin de... en augmentant de niveau. Et plus vous aurez de points d'expérience, plus vous pourrez faire d'heures d'entraînement. Donc 1 heure ça fait 1 point, 5 heures ça fait 5 points, et 10 heures ça fait 10 points, etc. Puis plus vous aurez d'heures, plus ça augmentera facilement, j'ai envie de dire. Enfin, plus les nombres seront grands quand vous augmenterez. Je suis Natsumi, une lycéenne heureuse. Désolé les gamins... Ah oui, on peut faire aussi des combats de Digimon ou des combats de cartes en parlant deux fois à une personne. Donc c'est pour ça que leur dialogue change un peu, ou bien que des fois ils vous rembarrent. Simplement parce que quand vous leur parlez deux fois... J'aime bien le petit hommage à Mario juste ici. Avec le... Enfin, c'est peut-être pas du tout un hommage à Mario, mais en tout cas moi j'ai toujours pensé... Oh, mais c'est le machin de Mario. Oh, combat aléatoire. Donc... Ah oui, mince, j'avais pas faire gagner ma vie à Agumon. Alors, on va juste changer de Digimon, on va prendre Renamon pour ce combat, puis après je vais aller le faire dormir au inn pour terminer cette vidéo. Histoire de pas faire trop long non plus. Je voulais faire 25 minutes, mais en fait 21 minutes ça devrait aller suffisamment. Ouh là 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 là, en fait on va fuir. Fuite. Ouf, merci, tu t'es protégé. Merci, on va fuir tout de suite parce que si je meurs maintenant, ça va pas le faire. Donc, vite, pas de combat aléatoire, please. Voilà, donc on va se rendre au inn, on va dormir, puis on va sauvegarder et on va se quitter là-dessus. J'aime bien la musique de ce jeu. Dormir. Bienvenue dans mon auberge, reste le temps qu'il te faut pour te reposer. Alors ça coûte 8 bits pour dormir, toute une nuit, et c'est génial. Et j'aime bien le petit jingle. Voilà, et on va pas sauvegarder avec le Guardromon, je crois qu'il s'appelle, mais on va simplement faire une save state. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à dans un prochain épisode. Ciao, salut tout le monde.